Archive Haïti News, chaîne pour la canal pour la chaîne information qui entre la caillou, non objectif pour nous continuer porter toute touche d'information qui a dominé le pays d'Haïti. Information qui vraie, information qui réelle. Eh bien, Premier ministre AI, Jean-Michel Lapin, annoncé Gomezi que gouvernement l'IA lui-même va le prendre pour capable soulager, eh bien, revendications policiers que nous connaissons. Policiers qui prend la rue, qui manifeste que yo besoin de des bagages, yo besoin, eh bien, yo mande l'État, côté l'État, pour que j'aime accepter mon acte même, eh bien, yo te prend la rue, yo t'a manifesté, bien que yo dit que la police a même d'après la loi, et yo pas de droit pour manifester, yo pas de droit pour revendiquer, eh bien, si yo combat pour revendiquer, y a pour revendiquer en coulisses ensemble avec responsable, mais yo pas de droit pour prendre la presse ni prend la rue, et bien, tu es arrivé faire, et bien, Jean-Michel Lapin annoncé des mesures qui, et bien, gouvernement pral pour soulager la police. Là. Pour plus de détails, on nous suivre Jean-Michel Lapin qui t'a répondu à une question journaliste. Bon, et semaine, alors, c'est pas week-end, il est censé marquer par et rencontre, série de rencontres qui t'a fait dans l'hôtel Marriott. En fait, dans l'hôtel Marriott, et sous initiative passerelle, nous avons parlé de ça là dans le week-end. Nous avons dit que il n'y a pas de droit à l'erreur, il doit sortir avec un accord politique qui peut permettre que il continue la mobilisation, puisque en dehors des accords politiques, la mobilisation est un coup, un mauvais coup. Bon, et 3 jours de rencontre au fait, et ils ont sorti avec un accord, l'accord de Marriott. Et ça fait nous un pilote accord, parce que presque chaque 2, 3 ans, 4 ans, il faut que nous avons un accord politique, pour nous joindre pour payer à Kamaché. Et parce que tout hôtel yo gon akok pou nan yo. OK. Et me songe te gen Lancho, te gen Kinam, et me Swisten, te gen Malik, te gen déclaration de la Caye, te fait bol en mer. Et que parce que chaque côté, chaque hôtel qui gen dans pays a gon akok a ben la dans akok politique. Donc ça veut dire n'a vive dans pays côté nous gen instabilité politique. Nous gen des problèmes politiques que nous pas jamais résoudre. Et population a toujours sur le qui vivent, population a toujours espéré que dirigeants politiques y a besoin d'un consensus suffisant pour permettre que le pays a démarré. Maintenant, à chaque fois, ça y a, c'est pas j'aime ça, puisque le problème est demeuré et nous toujours dans la crise. Et je dis, moun pa kontrole ki chouk lundi encore dans pays a parce que sans se bagay travail tout moun rete la caillou donc ou sans se baka konnen est-ce que effectivement et gen possibilité pour moun rive et vaquer activité yo c'est pas bagay que nous remarqué vraiment et jodi a dans pays a bon et accord lycéen peut-être tout le monde était qu'à attendre à ça et toute l'autre partie qui était dans Marriott yo signé accord pour aller chercher un président dans cour de cassation mais famille Lavalas pas rentrer dans jouet ça lui-même famille Lavalas quoi faut que c'est un gouvernement de salut public pour qui monter puisque système nous rien là c'est pas un système qui inspire monde confiance institution que nous rien là et que nous reprocher assez souvent pour Jean yo comme si participer dans corruption qui fait dans pays et
Donc, je trouve que ce n'est pas normal pour ces institutions qui ont cherché un président de la République. Et là, on garde vraiment la Cour de cassation. La Cour de cassation, elle fait partie du système judiciaire. Là. Système ça, et il y a trois pouvoirs à l'État qui est moins productif. Mais l'homme exécutif, l'homme législatif, au point judiciaire, là, l'homme a gardé exécutif, là, ou a gardé législatif, là, ou est, il n'a pas remettre rien. C'est parce que Mounio, assez souvent, c'est des deux premiers pouvoirs, ça, il y a tant en vie meilleure. Il y a tant de décisions qu'il y a prend pour améliorer les conditions de vie, à savoir l'exécutif et le parlement, le législatif. Mais judiciaire là, qui est sous côté, c'est une institution qui est aussi non productive que l'exécutif et le parlement. Et c'est une institution qui est aussi bancale que l'exécutif et le parlement. C'est une institution qui est aussi corrompue que l'exécutif et le parlement. Et on n'a pas comme si pas fin toi remarquer ça. Puisque ce n'est pas des judiciaires, il y a tant pour l'électricité rivé la caillou. Ce n'est pas des judiciaires, il y a tant pour gagner des petits projets qui rivé la caillou. Ce n'est pas des judiciaires, il y a tant pour gagner une route qui fait la caillou. Mais c'est une institution, une trois pouvoirs l'État, qui gagne même qualificatif avec l'autre deux. Donc on a. Al chercher un président la donne et ta kavle dit tout que ou a reproduit même système non ta kavle dit tout que ou a reconduit même moun yo parce que l'oral bon juge dans cour cassation ou prend un parlementaire dans niveau sénat de république là ou bien dans chambre député là et c'est presque 50 cob avec des goudins. Et c'est nécessaire pour nous comprendre le positionnement de famille Lavalas. Et famille Lavalas estime que si c'est chaudière, nous avons chaviré, nous pas qu'à chaviré chaudière, et puis, quand nous nous souvient, nous avons essayé de faire avec un louche ou un quillet pour ne pas tomber, et ça, nous avons fait un bon, famille Lavalas pas d'accord ça, et il faut nous comprendre. Et différentes institutions qui ont le pouvoir judiciaire n'ont pas échappé. N'ont pas véritablement échappé de tout qualificatif ou de cas utilisé pour monde qui est dans l'exécutif là avec monde qui est dans le législatif là. Puisque c'est censé même pas là. Et si judiciaire a été fonctionné dans le pays, presque sur le type exécutif que nous avons là, type législatif que nous avons là, il doit pas lire nous avons. Puisque bon, pile monde assez souvent est accusé de corruption. Et gon pile moun assez souvent qui pillait bien l'État, mais moun sa yo, yo agi en dans pays ou bien fonctionné en dans pays en toute impunité. En toute impunité, alors que gen un appareil judiciaire qui là et qui t'a censé là pour bay justice. Gen moun ki pral di que oui, mais il va dépendre de gouvernement tout, puisque. Et le gouvernement est lui-même qui est capable de déterminer qui politique judiciaire, mais en tant que pouvoir, il conseille de grosses institutions en tant que pouvoir judiciaire. Pas oublier, non, c'est sous Matéli et il a été institué pouvoir ça, le CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Mais on a regardé par rapport à Feu Anel qui était dans la tête à l'époque, c'était censé. Un organe de l'exécutif. Puisque même les yon mandat, yon se de moun ki inamovible, yon te ka fè travail yon, on président élu pour 5 ans, yon même yon la pour 10 ans, on, et yon passible seulement, yon pas passible devant tribunal ordinaire, donc ça veut dire que yon te ka fè travail yon. Mais ou gade la cour de cassation, tout moun wè ki vient fonctionner, qui type de juge qui la donne, tribunal yon, tout le monde garde qui ça au bail comme justice qui a fonctionné et quel que soit monde qui entre dans le tribunal de paix
conseil de bail à l'fait mon entendait j'ai dit telle transaction imaginons un monde qui a marié qui est entré dans le tribunal de paix et puis yo dit la bail $2,000 la bail $3,000 il fin payer ça pour payer dans DGI le DGI ballon reçu là dans bien-être social et puis l'arrivé dans le tribunal là yo dit il gon $2,000 ou $3,000 pour le bail et $2,000 ou $3,000 ça pour le bail là pour faire mariage ou bien préparer avec la poulia il pas ballon reçu pour lui qu'on a si c'est l'état effectivement qui a pris l'argent tout le monde connaît que l'état collecte l'argent à travers la DGI qu'on a l'homme met ton cop dans enveloppe ou porter le bail non tribunal ou mettez le nom enveloppe yo baoul ou pas gon boutre sous pas gain en amont tout le monde voit qui est-ce qui prend cop là non mais qui moun l'aller et appareil a fonctionné comme ça et dans tout l'autre secteur il fonctionnait comme ça ou imaginons que et on entre dans tribunal de paix moun nan al fait un acte de naissance par un cahier en fait dans bureau d'état civil et dans bureau d'état civil et personne pas en mesure dit qui le cap gen cahier tout moun yo vini au chita qui problème qui gen cahier pas gen cahier pour enregistrer action donc mais au pays moun a vive nous a des problèmes d'identité vraiment sérieux. Et je dis à vous, imaginons que vous arrivez dans le tribunal, et puis, il y a un dehors, non? Dans la capitale là. C'est-à-dire que pour passer Pétionville là, pour passer en bas là, Bosseignan, Boscroix, et puis vous avez un problème caillé. Vous passez sous Delma, vous avez un problème caillé. Vous passez bon palais, vous avez un problème caillé. Ou on passe dans section Noa, moun n'a pas qu'à faire acte de naissance parce qu'il y a un problème cahier, parce qu'il y a un cahier pour enregistrer. Donc, mes types de pays que nous gagnons, mes types de pouvoir que nous gagnons. Donc, nous devons faire appel à ça, nous allons rentrer davantage en dedans et débat ça sur le choix et un président dans la Cour de cassation. Que famille Lavalas n'est pas d'accord avec elle. Et il y a des gens qui ne peuvent pas attendre ça. Il y a des gens qui peuvent attendre que famille Lavalas sont gomoso. Il y a des gens qui disent sous papier. Famille Lavalas sont gomoso. Mais la presse qui toujours a dit famille Lavalas sont gomoso. Bon, si famille Lavalas n'est pas un gomoso, ça reste à prouver. Oui, nous étions pour nous voir ça. Mais par contre, c'est dans l'imaginaire que nous sommes toujours. Peut-être que les gens qui disent pas ça, ils ont aucune raison. Mais il n'y a pas besoin d'accuser la presse. Et la presse dit ça, parce que peut-être. Ce n'est pas tellement à tort, bien, et parce que presse là est pour presse là, la sienne, détaillée, qui t'a fait un type de comportement. Ça. Bon, nous allons tourner ce débat plus en profondeur, mais campagne en forme. Bonsoir, président Jean, bonsoir, Charles de Gaulle, Lombard, Ferme à la barre, et Val-Ené. Donc, un bon désolé, mon Dieu, Angel. Ben, nous présents aujourd'hui, hein, parce que le devoir nous appelle. Mais concernant le débat, moi, pour me montrer directement, c'est que je gagne une façon que je comprenne la question la justice dans le pays. Hein. Côté que, par le fait que nos émissions là, je débat de ça déjà, on voit que je dis, hein, il tape une faiblesse quelque part, ou bien contexte. Et n'a pas évolué je dis, hein, contexte politique là, fait que, il y a de nouvelles réflexions qui ont émergé. Et me situe dans limite côté que m'a demandé est-ce que yo pas ta supposé reconsidérer article qui dit que le président pas là pour aller dans cour de cassation. Pour qui ça? Parce que justice en Haïti tellement faible. Ça qui fait que nous pas un pays jodi hein. Ou bien s'il y a plusieurs raisons, il y a une raison fondamentale qui fait que je vous dis, nous avons un paquet corrompu ça dans le pays. Hein? Nous avons une quantité de monde qui a fait des actes malhonnêtes au sein de l'administration publique, ou bien dans l'autre organisme, yo, ou bien dans la société. Hein? Si nous avons un cadre global, dans la société haïtienne même. Quand c'est des actes malhonnêtes nous avons fait, c'est parce que tout simplement, nous avons la gestion pays. Hein? Le digestion pays, il y a tout ça qui a fonctionné là-dedans sous bonne volonté moun à conscience. Et souvent, nous même parler de moralité.
Bon, quand nous venons avec elle, nous retirons dans l'église, nous parlons de moralité en politique, etc. Mais, cancer qui a prongé la société, hein, c'est ça que lié par le fait que nous refusons d'appliquer la loi. Pays pas fait avec bonne volonté, pays pas fait avec moralité seulement. Pays fait surtout avec respect des principes, des normes, respect de la loi. Si nous décidons tout bonnement pour ne pas jamais respecter la loi, pour ne pas respecter aucun principe, n'a toujours tant qu'on ban égaré son petit bout de tête qui dit nous grand monde tête nous et puis n'a fonctionné tant qu'on paquette petit monde petit. Donc quoi que je dis, hein, problème que nous gagnons dans question respect des normes, respect loi que nous-mêmes nous faisons, faut que je dis, hein, nous ta changer position. Côté une camper en fond de conscience que le pas bon parce que l'un pas jamais accepté appliquer principe respect, appliquer la loi. Application loi, c'est qu'à empêcher, limiter toute dérive qui est dans la société. Étant donné que nos sociétés, côté que, un pile monde pense que, yo capable n'importe qui ça dans le pays, parce que nous foulez loi en papier, tout ça nous crée, nous dit, mais qui j'ai pour nous faire institution au marché, nous décider de faire autrement. Et de manière négative. Donc je dis à moi-même, je pas fin trop retrouver dans le problème ça a présenté. Nous votons au gouvernement et gouvernement pas réglé en sérieux. Nous avons un président qui est incapable pour l'assumer responsabilité. Et nous avons un groupe de la société ou bien un paquet de la société qui a même demandé pour le démissionner. Et si nous t'avons respecté la loi, nous t'avons seulement dit, mais qui ça qui dit, nous pourrons aller vers président cour de cassation. Oui, nous tellement attordier loyaux. Bon, Kounian nous dit, nous pourrons aller vers un juge dans la cour de cassation. Et c'est pas un juge dans la cour de cassation. Vous parlez de plus ancien, vous parlez de, en fait, président cour de cassation. Maintenant, si je ne me pas trompé, en 2004, c'était Alexandre, maître Alexandre Boniface. Je dis, hein, selon moi-même, la cour de cassation, ensemble de juges qui l'a eu, qui au même là, on t'a gardé nos informations, à partir de 2011, parce qu'il y a une équipe plus bas que 2010. Ça veut dire à partir de 2011, jusqu'à nos jours, il y a qui nous mis là en 2019, environ 11. Qu'on y a 11 juges ça yo, chaque juge gon ti groupe politicien qui a fait comprendre que yo ka juge yo ka président pays. Et m'te questionné déjà, est-ce que ça pas fait que monsieur passé de mission que yo gagne sur ton justice qui déjà faible et yo gen pile travail pour faire et puis qu'on y a k'ap marcher chita ak politicien pour permettre que yo vinn président, parce que dans pays chaque moun gon groupe moun d'elle. Chaque juge qui est dans la cour de cassation, peur de manière à ce que yo pas aller chercher un bout à mettre des bananes yo parce que yo tendez qu'on question de président qui a parlé. Est-ce que dans la réforme qui vient pour faire yo, dans la nouvelle constitution, nous pas capable garder ça pour nous dire que comme nous nos contextes particuliers, nous gon peuple particulier, nous sommes nation particulière pour nous ta quitter justice en fait travail et politicien cap fait politique. Yo même ta continue à faire politique, par exemple opposition à la Kounia qui besoin président, puisque c'est deux monde que me supposé société en fait confiance, bon ensemble deux monde là dedans quand même y a joindre, si ça arrive que pas fait toute confiance mais c'est tout côté, donc yo ta joindre une femme ou bien un garçon qui lui même capable remplacer comme président pour yo même entre yo joindre un consensus pour yo font choix. Mais où est pas gay question d'un coup cassation ça? Moi je pense que les gon danger la donne parce que un la pampéchan pile nèg fait travail parce qu'il a dormi réveillé et demain matin yo président. Deux, me supposer que constituant yo dans moment que yo t'a parlé de juge de pré juge dans coup cassation ou président coup cassation, me supposer que dans moment yo pas de garder
un politicien qui était dans la cour de cassation. Même supposé que il était pensé avec un technicien qui a fait un travail spécifique. Mais si jodi an là, dans janvier là, on parlait de trois juges ou bien parler de tout juge qui dans cour cassation, kounyen nous a encouragé pour que système continue pérenniser à travers yon jeune qui fin fait droit, qui fait EMA, qui compose, qui vin juge, qui continue, mais pour obliger gagner acquaintance ou bien pour la faire campagne un sénateur ou bien campagne un député ou bien pour impliquer la campagne au président ou bien deux ans. On a dit campagne au président, dans le sens que pour gagner deux amis, connaît que si vous arrêtez tel militant, donc juge ça à la blague. Peu à ce que nous pas continuer à faire comme ça, côté que nous connaît que pour les prendre promotion, il faut gagner politique d'elle, ça vient faire que technicien ça qui fait travail, il est obligé de rendre de politiciens ici de service, même si service ça pas bon pour la République. Parce que les gens connaît que faut le travail pour le capable vin nommer juge et le vin juge li rentre dans cour cassation qu'on y a le pral et d'ailleurs il a commencé faire politique là depuis avant pour le cavin président. Donc moi même la cour de cassation il y a respect pour tout juge de nèg qui fait des efforts dans le système là, mais faut qu'haïtien comprenne gonti vidéo te fait montrer que la police kembe bandi juge la gbandi. Juge qui l'a gébandi, en pile fois, il y a plusieurs mobiles, il y a plusieurs sources de motivation. Il est capable de rançon, comme si tu as un kidnapping qui fait un gamin de pour balle l'argent. Il est capable, un chef, soit au niveau parlement, soit dans le palais national, soit qui proche de l'autorité, qui font un coup de fil qui dit la gué, monsieur. Nous vivons bagay ça déjà. De ne qu'à faire juge, prendre des décisions contre eux-mêmes très souvent. Maintenant, moi-même, dans Lincoln Bralé là, dans la question la Cour de cassation, moi pense que position famille Laval à ça. Tu dis tout à l'heure, président Jean, on monde doit décider. Lui-même, il comprend que famille Laval pas gain assez de poids sous terrain, ça c'est lui-même. Mais ou t'es posé, ou t'es dit tout à l'heure, ça reste à prouver. Et me pas quoi que ces familles Laval seulement qui pensaient qu'il y a des enjeux dans le choix qu'a tourné vers cour cassation, parce que même dans la question faut qu'il y ait plusieurs juges qui sont table, les vino question politique, et faut que chaque monde comprenne dans une bataille politique, dans une bataille pour le pouvoir, gain de combine, ça veut dire gain de négociation qu'a fait sur la table et sous la table. Ça veut dire, les gens dans la cassation aujourd'hui, il faut qu'on nous garde ça bien, ou même qu'on prenne recul, sans pas avoir de problème avec personne, pour déjà comprendre que, aujourd'hui, si c'est vers la cassation, nous pourrons aller, nous pourrons toujours aller. Mais il faut que nous repensions les choses parce que, ou capable à critiquer au Parlement, ou capable à critiquer exécutif là et puis pouvoir judiciaire en kouni hein? Tout ça que t'es gagné l'autre côté yo j'ont été dit allez président Jean gagné dans pouvoir judiciaire là mais kouni pour gon l'autre forme de politique qui va déboucher ou bien cap augmenter parce que déjà là en dans pouvoir judiciaire là et puis finalement leur va chercher une solution et puis ou mélanger toute bagaille. Val en aller et sous point ça bon. Sinon nous allons c'est après ça nous avons l'autre aspect dans dans l'accord bon, pour nous aller moi même ça me t'a dit approche-moi gain de considération qu'on fait là précisément que moi même m'accepter puisque moi partager considération pour faire pour montrer que et puisque c'est des temps. La question de la corruption, par exemple, qui est un phénomène mondial, pouvoir judiciaire là, ou bien autorité judiciaire que nous avons là, n'est pas exempte
et de ça que l'administration publique en général dit fait l'objet de critiques. Mais moi-même, mon déjà essayé à réfléchir sous aspect ça. Constitution que nous gagnons là, 87 amendé, sous lui-même, président de la République là lui-même était prêté serment. Sous lui-même tout, ensemble de juges qui l'a jodi à dans cour de cassation yo, yo était prêté serment. Et puisque juge yo, yo fait partie de une entité, il fait partie de un pouvoir dans l'État et conformément à l'article 59 constitution ça que tout le monde me saute citer toute autorité me saute citer là yo te prêté servant sous lui il a montré que ces trois pouvoirs ça qui constituaient essence essentielle de l'organisation de l'État. Maintenant réflexion maintenant il y a un monde par exemple qui était prêté serment sur la constitution. Parce que ça, pour moi, je comprends. C'est ça que fait moi-même, mon petit Jean, et très technique. Très technique, dans le sens que, puis, il y a un monde qui a été tout menti. Et son vérité absolue que lié. Il n'y a pas de vérité absolue du moment où il a changé la constitution. Jusqu'à cette présente minute que n'a pas parlé là, le président Jovenel, même s'il n'a pas dirigé un rien. Même si le pays a ingouvernable pendant quelque temps, il n'y a pas jamais fait rien. Ou qu'a relé, ou qu'a dit l'incapable, l'incompétent, ou qu'a joué tout sauf lui. Mais il son président jusqu'à cette présente minute, constitutionnellement. Constitutionnellement, et s'il vous plaît, même à l'échelle internationale, nous connaissons président, si le président que nous avons là, c'est le président Jovenel. Ou quand il est illégitime. Mais que n'est pas ce que vous mettez l'autre président tout. Non, alors c'est ça que m'a parlé présentement président. Donc ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Si que ce soit sur le plan interne. Mais interne c'est surtout sur le plan constitutionnel. C'est le président Jovenel. Il peut qu'on démissionner, tout en pour démissionner ou pas qu'à dire l'autre président et l'international reconnaît lui. Est-ce que yon président poko démissionné qui te prêté serment sur la constitution et puis même constitution ça te gen dans la cour de cassation qui prêté serment sur tout pour les respecter si yon moun ta arrivé par exemple dans la cour de cassation accepté par exemple ou comme président est-ce que ça va dans une qualification spéciale pas pour dire par exemple c'est trahison. On va dire c'est crime de haute trahison. Ou bien violation. Mais violation. Est-ce que c'est pour violation lorsque yo dit trois pouvoirs ça yo constitué l'essentiel de l'organisation de l'État. Mais on nous prend dans cadre tout que yo pas arriver sur pouvoir ça. Ça veut dire que c'est groupement politique yo, opposition politique là qui a dit que les a remplacé président et a fait choix dans cour cassation. Mais officiellement, la Cour de cassation, qui est dans le pouvoir judiciaire, pas participer dans le débat pour remplacer le président. Peut-être que Jean Tabdil là, peut-être que le président finalé, il laisse à Obral choisir, il laisse à Yabdou que nous sommes en situation spéciale. Spéciale. Oui. Mais en attendant, président, moi-même, je prends au mot les propos de Maître André Michel, qui dit avant 18 novembre. Je dis à nous combien. Non, il ne dit pas ça. Hein? Il ne dit pas. Non, il va vous. Ça, c'est vrai. Bon, il ne dit pas ça, il va oui. Non, il ne dit pas ça, il va. C'est pas vrai, non? Ou bien, vous pensez. Il ne dit pas ça, il va, c'est pas vrai. Ou vous pensez, monsieur Kabadil? Non, moi-même, moi, tant de li. Ah, mais monsieur pas dit ça. Hein? Il ne dit pas dit ça. Non, il ne dit pas dit ça. Oui, il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. Il dit, il prend parole. Non, il va. Il déforme.
Non, bon, t'as dit que vous avez 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 dit que Lem tap tande comme si gèlè depuis le depuis lem tap tande là yo font gens yo fait non monsieur dit pas dit ça vas-y mon non mais t'as avant aller val mais monsieur mon dit ça là déjà oui autorité en Haïti tout des déclarations après ça veut dire pas ça vas-y mon c'est tellement yo insisté au journaliste qui t'a posé qui t'a fait interview et était sous Caraïbes avec Jussel sous qui ce qu'il y a monsieur dit pas jamais guerrier Jussel mandé et écoutez, qui côté ou a installé président Maître André Michel répond nos institutions étatiques. Exactement. D'accord? Nos institutions étatiques. Est-ce qu'il dit avant 18 novembre? Est-ce qu'il dit avant 18 novembre? Le 18 novembre, fait discours. Attendez, le 18 novembre, c'est président ça qui le fait discours à l'occasion de la bataille de Vétien. Cela veut dire quoi? Ou bien pas déduction. A-t-il pas dit ça? Non, ça veut dire que si c'est président, ça qu'a fait. Non, vous avez fait mentir sur la gamme. Non, est-ce qu'on pense on juge dans la cour de cassation et mon noir choisi à la d'accord maître Michel dit bon écoutez que l'on pense de Timoun Piti n'a choisi la d'accord donc moi même je dis à analyse mais c'est sur le plan technique par rapport à ça qui gagne même très technique mais dans la réalité est-ce que je dis à on juge dans la cour de cassation sous ta accepté ça pendant le président Jovenel pour démissionner, comment on peut qualifier? Comme pas de qualification, on ne peut pas dire. Est-ce que c'est trahison? Est-ce que c'est violation? Non, moi-même. Pas de qualification. Bon, mais, on va vous dire. D'ailleurs, on va vous retourner sur le même sort. Non, allez, non. Et, bon, comme on dit, on t'attendait. Il t'attendait le tout. On t'attendait le tout. Il t'attendait le tout. C'est sûr. Il y a installé avant 18 novembre. Mais, André Michel dit, il va déjà me dire ça. Et mon yo qui interprétait parole li mal et pas ça le dit j'aime parce que c'est pas on doit on met pas sous tes dit on bagaille après ça retourner sous les peut-être monsieur gien doit parler nous même nous gien doit comme nous t'étendez moi ça me t'étendez hein pas quoi que me débat en général la communication de vous en fil lancer des propos il a son tête là le joint auditoire là le joint récepteur il pas pour encore il revient à lui même pour l'interpréter les gens le comprennent même parce que quand il passe mettre là comme ça mais mettre là dit il pas dit bail comme ça mais tout et si avant 18 novembre tout je venais Moïse qui est allé ça sont l'autre bagaille. Ah mais oui mais faut prendre tout parce que disons on va arriver. Oui. Ça ou pas qu'elle pas t'allez. Ou pas qu'elle pas quatre figures là seulement. Oui. Et juge yo a violé la loi et si président est allé parce que hypothèse à prendre. Ça qu'arrive tout, je dis à 11. Oui, je dis à 11 là que mais 12 par exemple. Moi d'une semaine, président qui est allé tout. À mon si président, comme 18 là pas trop loin, connait cette qualification. Il doit avoir un arrangement fait déjà. Moi d'accord à ce ça. Si président allé, OK. Vas-y analyse n'a fait. D'accord. Si président allé avant 18 novembre etc., et puis on choisit un juge dans la cour de cassation en dehors puisque nous sommes dans une situation spéciale. En dehors je n'ai jamais considération constitutionnelle puisque ça bon, explication qu'a bail c'est pas explication constitutionnelle. Au cas où on explique à ce que nous sommes en période de crise, instabilité, etc., etc. Bon, face à toute situation spéciale, on prend des mesures spéciales. Nous sommes d'accord. Mais si c'est constitutionnellement, nous connaissons côté le Dabrali. Donc maintenant, si vous êtes. Président, Dabrali. Hein? Non, primature. Un bon premier ministre. Et oui, pour moi-même, nous avons premier ministre. Ah. Non. Maintenant, ou ka dit que nous pas gon un premier ministre qui gon en légitimité. Mais pays a fonctionné. Il s'est pas rempli conditions pour t'arriver là. D'accord. Nous vraiment spécial. Bon d'où Val t'aller. Nous un premier ministre qui démissionnaire. Voilà. Moi même pas il démissionnaire, jodi a et premier ministre de facto.
Et m'bale moun nous prend de facto dans sens péjoratif. Oui, de fait, il va de droit. Son premier ministre de fait. Voilà, d'accord. Pas qu'un premier ministre, c'est monsieur Clap, monsieur premier ministre. Tout à fait. Il y a pas qu'un premier ministre, monsieur premier ministre, ça c'est qu'on l'autre premier ministre. Kouna, est-ce qu'on a un premier ministre de fait, un premier ministre de facto, et qui est censé appliquer les affaires courantes, qui pas t'a de prendre une série de gros décisions dans l'État, pour aller mettre. Et bien, président, vous mettez le. Parce que moi, je suis le premier ministre avec le président. Et bien, sa constitution a amendé à dire non. OK. Donc, c'est monsieur qui a présidé le conseil des ministres. Voilà. Jusqu'à ce qu'il réalise l'autre élection. Mon président. Parce, ouais, parce, mon président. Parce que la constitution a dit, premier ministre là, la président. Si le président va là, premier ministre là, et en 24e année, yeah. La présidé le conseil des ministres là, et le pape Kavoyeli allait. Parlement pas qu'à convoquer jusqu'à ce qu'elle organise de nouvelles élections. Et ça le dit. Il y a le premier ministre, il y a le président. Mais qu'on a tout, un premier ministre qui pourra diriger le conseil des ministres pour qui invite le peuple en ses commissions pour aller organiser l'élection, est-ce qu'elle est capable, au premier ministre, de liquider les affaires courantes? La question est sérieuse également à ce niveau. D'ailleurs, nous faisons une analyse sur lui. Par contre, sur la côté de Miano. Est-ce qu'on va reprendre? Est-ce qu'on va reprendre pour bien saisir? Et jeudi, Jean-Michel Lapin, son premier ministre de fait. De fait, d'accord. Puisque monsieur était dans le gouvernement démissionnel, il était premier ministre intérimaire, il était gagné un mandat fini, mais comme beaucoup de l'autre gouvernement, il pourrait continuer à appliquer les affaires courantes, il vient premier ministre de fait, premier ministre de facto. Mais son premier ministre démissionnaire qui a liquidé les affaires courantes. Donc, il a liquidé les affaires courantes, ou pas qu'à engager l'État au plus haut niveau. Maintenant, si président par là, premier ministre de fait ça, qui démissionnaire là, qui pas qu'à engager l'État au plus haut niveau, et c'est premier ministre ça après capable à diriger conseil des ministres et à travailler sur loi électorale, inviter le peuple en ses commis, organiser des élections en dans pays. Est-ce que monsieur a gagné compétence légale et suffisante pour faire ça? Bon, bah réflexion par rapport à ça. Et l'État son entité permanente. Au nom de la permanence de l'État, il doit fonctionner chaque jour. Maintenant, on trouve dans un pays côté que mobile politique, action politique, malheureusement, ils n'ont pas envisagé amélioration conditions de vie de la majorité. Parce que toute action politique ici, généralement, ou en majeure partie, ils ont toujours orienté dans le sens de la défense des intérêts des clans, des groupes et de petits groupes. Maintenant, ce qui fait que, on a une situation où on dit que président, bien évidemment, dans les capacités de tout, l'ivoyer deux cabinets en bas, il n'y a pas qu'à passer dans le Parlement. Donc, président généralement plein, hein, etc., vous dites, bon, il voit cabinet pas qu'à passer, bon, c'est lui-même, parce que c'est à lui-même de dégager en majorité. C'est pas moi-même, c'est pas la population qui va le faire ça pour lui. Maintenant, il se trouve que, puisque cabinet le voit, il y a président pas jamais qu'à passer, premier, nous vivons dans une situation où on dit que au premier ministre de fait, oui, de facto. Oui, de fait. Oui. Maintenant, puisque ils sont premier ministre de facto, est-ce que jusqu'à présent, au nom du principe de la continuité de l'État, c'est pas lui-même qui a managé? Oui, les limiter à un certain niveau, surtout à l'échelle internationale, puisque ingénierie institutionnelle nous est là, il exige que pour un cabinet qui est légitime et sans d'accord une légitimité complète soit accepté le gonza, faut que il y ait bénédiction parlement, puisque gagne de hauteur qui pensait que eh bien le cabinet ministériel ou le gouvernement est l'émanation du parlement, même si quelque part on a accepté que eh bien gouvernement a une double légitimité parce que c'est le président d'abord qui nomme, qui fait choix le premier ministre. Maintenant, puisque eh bien ou non situation spéciale, président veut cabinet pas passer. Nous, gros premier ministre de fait, qui l'a tap manager quand même qui fonctionnel, parce que l'État qu'on est,
jusqu'à cette présente minute. En attendant que l'autre gouvernement qui remplit les conditions. Non. Sinon, c'est fonctionnement pays. Non, tout à l'heure, mais écoutez, l'autre dit l'État qu'on est. Depuis l'État qu'on est, oui, on a l'égalité. Non, l'État qu'on est, lui. Non, tout à l'heure. Mais on n'a pas un concept l'État qu'on est. On a l'État. Et que l'État qu'on a, c'est qu'on a l'égalité. Vous êtes d'accord avec ça? On a l'égalité. Donc, on a les premiers ministres là, qui deviennent ministres, qui deviennent premiers ministres par intérim. Que la Constitution a dit qu'il est là pour 30 jours. 30 jours à passer. Où est-ce que là? Monsieur Vinrete dans le poste là parce que pas l'autre monde qui remplace. Et ça fait de fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit. Vous comprenez? Non? Il va de hurrer. Les de facto, c'est-à-dire que les pas de premier ministre de droit, ils sont premier ministre de fait. Lors de l'État qu'on est, ça veut dire ils sont premier ministre qui est légal. Mais c'est pas premier ministre légal, j'en ai là. C'est premier ministre de facto. Mais ça qui passe. Et moi, d'accord avec vous en partie, mais cependant, ça qui passe ou non, l'heure dit comme ça que après on démission, éventuelle démission en premier ministre, puisque au nom de la solidarité ministérielle, tout ministre pour aller, au premier ministre, eh bien, cabinet a là pour gérer les affaires courantes pendant 30 jours. Maintenant, dans l'esprit législateur, il te pensait que dans l'intervalle là, gouvernement, président, qui a capacité pour le mettre en l'autre. Maintenant, il se trouve que nous, nos pays, c'est ça que fait, tout au début, je parlais de questions, défense des intérêts individuels, etc., etc. Même parlement, au paquet parlementaire, nous qu'on est pratiqué, tout pays a qu'on pratique là. Faut au poste, faut au. Ou d'accord, ça va dire là, c'est des considérations. Non, mais bien sûr, c'est opinion. Mais bien sûr, nous sommes dans le domaine d'analyse. Non, t'as l'air. Samedi, qui parlementaire a dit son point de droit. Ou est-ce que vous avez dit, son point de droit, premier ministre, qui l'a, par intérim, la loi dit qu'il l'a pour 30 jours. D'accord. Donc, les 30 jours passés, il est toujours là. Il passe contre la loi encore. Et ça que fait dit, il vient au premier ministre de fait. Je pense que je pense que intervention maintenant, c'est que je pense que Marco saoudien s'il t'a considéré comme un point de droit. That's it. C'est-à-dire que pas gain trop de débat. Par contre, si vous permettez que m'essayer comprendre expliquer, j'aime comprendre question. Moi pense que la question qu'on est hein, l'état qu'on est la paix hein, c'est dans le sens que on parcourt un ministre l'a nommé par intérim, deux les vingt nominations qui faites là comme premier ministre, et comme Bagay Valdé dit tout à l'heure que nous dit ça souvent que président dans l'incapacité ou bien t'es incapable pour que gouvernement passe, mais en même temps tout faut en ajouter de l'autre côté le parlement ne voulait pas. Ça veut dire si tout ça il faut d'accord c'est des considérations pas de problème. Non, ça veut dire que nous devons toujours regarder qui ça qui fait qui nous pas un premier ministre pour nous gagner. Non, d'accord avec nous ça oui. Nous devons toujours regarder ça qui fait premier ministre pour nous gagner, nous pas gagner. Quelle a été la question de pour quitter limite la loi limite légale là. OK, c'est dire que on franchement l'autre étape. Okay. Mais ça me faut comprendre. Est-ce que l'État connaît là? Non, mais pour que c'est. Tout à l'heure. L'État connaît là, on a parlé de l'égalité. Okay. L'égalité. De, est-ce que c'est un ministre qui l'a selon la loi? Ben, il a parlé de facto. Et de facto, avec Benin là, il m'a parlé du premier ministre Lapin, son premier ministre de facto. Et il me dit, puis gars, on prend le sens péjoratif là. Et tant que le mandat fini, il y a un premier ministre de fait. Et comme si, ou bien Jovenel Moïse qui l'a comme président de la République, monsieur Rivé, monsieur Rivé, au 7 février 2022, monsieur pas fait élection. Soit un problème, parlez-moi, votez loi, un paquet de problèmes qui fait, monsieur pas qu'à faire élection. Okay. Mais constitution connaît monsieur là jusqu'à 7 février 2022. Est-ce que vous comprenez bien? Si monsieur 7 février pas choisi, allez, il est toujours président. Les ça, vient automatiquement au président de facto. Comprenez bien, oui? Et les ça, monsieur pas au président légal. Comprenez bien, oui? On est d'accord. Monsieur Rété. On est d'accord. Vous pas comprendre ça, Abdoula, non? On est d'accord. Même Jean-Michel Martelly, il n'y a pas de café élection. 7 février, M. Degré doit choisir été. Laisse ça, il tape de facto. Et puis, il n'y a pas tape sous compte la loi. Il n'y a pas de la loi qui mette M. le Premier ministre. Parce que, d'après la loi, comme si Mme M. a fini. Et ça, 7 février, élection pas faite.
Michel Martelly descend dans le Parlement, l'hypothé et Chablan allé. L'hypothé allé et nous font semaine sans président. Nous font semaine sans président parce que le mandat de monsieur a fini. Si monsieur était continué, monsieur pas dans l'égalité, moi-même promener sous sa lié. Si monsieur continue pas dans l'égalité, laisse à la bin un président de facto, un premier ministre de facto, parce que lui continue faire lui, mais il n'y a pas la loi. Parce que ça n'a pas dit là, c'est des considérations, et d'accord avec vous que, n'a regardé qui ça fait, pas gagné, on l'autre gouvernement. Mais qu'on a, si n'a regardé ça, la loi dit, premier ministre, nous là, pas dans le cadre de la loi, elle parle là, dans le cadre de la loi. Pas de problème. Mais vous te posez une question d'ailleurs au niveau des engagements, mais ça qui a continué. Maintenant, qu'on y est, là, on est d'accord que dans dehors de la loi. Mais en même temps, tout, on a rappelé que, ou qu'on est, j'aime te dire dans le début de l'émission, que nous avons un problème avec la loi, application. Parce que faut nous rappeler pour le grand public là, que, si je ne me trompe pas, depuis 2008, Gwassivène Benoît a fait une proposition de loi sur question gestion des affaires courantes, etc. Ils ont voté le bâton. Ils ont voté à l'unanimité, mais finalement, ils n'ont pas voté. Alors, eh ben, l'unanimité, ils ont voté dans le Sénat. Oui, dans le Sénat. Mais ils n'ont pas jamais voté en bas. Maintenant, Kounier, mais qui ça m'a dit d'ailleurs? Ça fait 7 ans. Hein? Ça fait 7 ans. Situation exceptionnelle, qu'il y a de décision qui est obligée exceptionnelle. Ou en Canbrali là, ou pour tes précisions, pour ne pas penser que. Présider Conseil des ministres. C'est président. C'est président, pays. Président de la République. Mais, étant donné que, dans une logique de continuité de l'État, jodian, nous sommes censés à fonctionner nos gens comme si c'était difficile pour nous aller loyaux pour nous dire est-ce que nous la donnons là. Est-ce que si on revirement qu'on a fait, pas obligé de gagner, puisque le contexte là, semblait particulier par rapport avec ça que tu as dû faire. Et ou après que, même si, je dis, le président a bail démission, la Constitution a parlé de qui, Jean, Parlement, président Parlement, tu as qu'à continuer, président de l'Assemblée nationale. Là. Et pas lié du tout. Non. Et pas lié du tout. Et pas lié du tout, non? Non, pour l'instant là. Non, et pas la Constitution a dit. La Constitution n'a pas dit tout le président national là, non? Quand il président de la quatrième année. La présidée. Non, non. Il dit à partir de quatrième année, Parlement en Assemblée nationale a nommé au second degré un nouveau président de la République. Parlement, il n'a pas voulu dire son parlementaire. Il n'a pas voulu dire que le président Sénat ou le président Chambre député. Il n'a pas un parlementaire. Il n'a n'importe l'autre monde. Et c'est ça qui fait tout. Les matins finales, il a ouvert le monde pour le déposer, bien sûr. Et Galé Blanc est allé. Il va dans le Parlement. Qui est-ce encore qui est allé? T'es gros l'autre monde qui est allé? Y'a t'es en face privée. Mais ça veut dire que mon nom même dit, à partir de quatrième année, hein, c'est président de l'Assemblée nationale là, et pas sa constitution a dit. Mon nom, pas comme si c'est exprès au fait. Parce que les négos qu'on a l'a passé, mais qu'on l'a passé. Non, mais les là. Mais c'est exprès, négo fait. Parce que y'a dit, à partir de quatrième, en première année à quatrième année, si président allait, c'est premier ministre là. Qui a présidé le Conseil des ministres jusqu'à ce qu'il organise de nouvelles élections. Il n'y a pas dit premier ministre Sabine président. Ça, c'est ça le dit pour premier ministre. À partir de la quatrième année, il dit l'Assemblée nationale élit au second degré un président de la République. Il n'a pas dit tous ces présidents de l'Assemblée nationale. Mais comme si je ne connais pas ici, on était très particulier. Négocier qui fait le Conseil choisi. Voilà. Au moins articulé. Mais et son bail est grave. Et sous question de facto, on n'a pas lié. Je dis à un paquet d'accord. Un paquet d'accord, je dis à vous avec l'Union nationale. Pour qui ça va pas signer? Il n'y a pas qu'à signer parce que le gouvernement là, gouvernement là, ce n'est pas un gouvernement qui est constitutionnel. Comprenez bien? Gouvernement là, pas un gouvernement constitutionnel. Et ça fait, il dit tout ça pour faire Haïti là, il faut qu'Haïti gagne un nouveau. Gouvernement. Et parce que Lapin n'a pas remis comme premier ministre, comme chef gouvernement. C'est parce que Lapin a des conditions légales qui te doivent réunir pour lui, qui pas réuni. Et là, ça, gouvernement par là, à l'échelle internationale, il a estimé que c'est pas un gouvernement, il a qu'à engager avec le côté de Miano. Donc ça veut dire que moi-même, non logique de continuité de l'État. Et c'est là, je pense, gouvernance de fait l'avenir. Et ça fait que je pense que je dans le débat, je pense que sens
Je dis dans le début que l'État est une entité permanente qui a des obligations pour bailler des services. Ah, ok. Mon ami l'a dit, l'autre, alors, le sénateur Benoît qui dit ça. Et l'autre là était déjà Bélisère. Donc, c'était vous, on gagne voix. Oui, on gagne voix. On gagne monde. C'est dit même dans la fête. On gagne pas. C'est un grand monde voté pour lui. Parce que l'administration, il faut le bouger. Moi-même, ça me pensait. L'État comme entité permanente qui a pour bailler service à la population et ce chaque jour via l'administration publique. Donc maintenant, nous tous d'accord sur la question principe ça, question principe de continuité de l'État. Moi-même, c'est dans ce sens à moi, penser au nom du principe de la continuité de l'État et son principe général en matière de droit, moi, je crois que. La paix pas légale, mais l'État reconnaît. Est-ce que c'est pas là que tu viens arriver avec question jurisprudence de dans la mesure où tu viens tomber. La paix pas légale, n'est pas légale, mais l'État reconnaît. C'est tellement vrai. Il prend des décisions restreintes au niveau national qui engagent l'État. Ah oui. Bah ouais. Ouais il prend des décisions qui engagent l'État. Je conseille nous pas faire un débat sur ça. Ça fait un débat sur ça, nous avons perdu parce que nous en Haïti. Nous avons perdu là-dedans. Oui, Abdoula, si tu as baissé garder action mon par rapport à la loi pour nous chercher Bali, nous avons perdu dans le débat. Je conseille le débat à nous quitter. Parce que la Constitution 87, là, même avant de dire, oui, Jean-Web Benoît dit là, il n'est pas fixé qui valait tant pour nous faire comme premier ministre. Démissionnaire qui a guidé les affaires courantes. Comment bien? Mais dans le cas de la paix, c'est un thé allé. Comment bien? C'est un thé allé, il a choisi la paix comme premier ministre par intérim. La Constitution a dit il est là pour 30 jours. Vous avez dit là? Il est là pour 30 jours. Ça arrive que des actions qu'il a pris. Et si nous cherchons à analyser l'action, nous cherchons qui loi qui a perdu dans le débat. Moi, je pense que peut-être nous passons à l'autre bagaille et nous quittons le débat. Parce que débat ça, on quitte là, parce que la loi ben nous limite là-dedans. On quitte l'interprétation pour l'homme de loi et affaire pour quoi. Vous comprenez? Vous comprenez? Ok. On nous quitte l'interprétation pour l'homme de loi et yo même, y a le gardé. Mais moi-même, je ne sais pas si je me roule avec lapin, mais le fait que était là pour 30 jours et 30 jours a passé, et imaginez-vous que je parle avec Sœurette Michel qui a dit que. International là pour eux-mêmes c'est Fritz William Michel qui veut premier ministre. Non. Parce que si, tant non, attendez bien. Non, attendez, dit Mabdou, m'a dit Jean le doyen, non. C'est-à-dire que si vous allez sur Google ou sur Wikipédia, vous écrit premier ministre haïtien, ou après Fritz William Michel. Ça vous pensez son monde qui mettait le concert. Ah bon, nous sur Wikipédia Mabdou. Vous mettez le concert. Comme Wikipédia. Alors Wikipédia très limité. Bon oui, il est très limité, oui. Mais. Pablié, non? Mais il y a sens, hein? Oh, il y a sens, parce que je dis, qui est-ce qui est premier ministre pendant? Qui est-ce qui est pendant le premier ministre? C'est Fritz-William Michel. Même les Jovenel Moïse disaient Lapin qui est premier ministre. Mais c'est Fritz-William Michel qui passe en partie dans le Parlement, qui a un dossier qui pendant au Sénat de la République. Il y a deux bagailles pour qui fait là pour monsieur parler encore. Vous comprenez bien? Il y a deux bagailles qui fait. Ce soit le Parlement voté. Yo fait séance là, yo voté contre monsieur. Ou est-ce que laisse à monsieur pas là. Ou bien monsieur senti et y a pu utiliser li à l'usure, etc. Monsieur démissionné. Tout en temps, yon nan deux sa ou pas fait. C'est monsieur premier ministre pendant. Elle dit que premier ministre nous a censé gagner qui sous route. Moun nous a censé si vous pouvez premier ministre là. Et monsieur. Mais non. Jusqu'à côté de nan parler là. Gobagay que qu'on est. En matière de procédure administrative. Bon, moi-même, moi je vais l'exagérer. Bon, on va exagérer. Le premier principe, c'est que le Parlement, comme institution, est indivisible. Le Parlement, son institution, est indivisible. Ça veut dire automatiquement que les pas passé dans le Sénat, ils sont manquement total. Même si il a passé dans le Sénat, pas le problème. Tout le temps, on pas installé le pas premier ministre, il pas cas opérationnel, parce que là, l'installation est l'acte matériel de la domination. Non, écoute, non, là, ou non, l'autre bagaille. Non, attendez, Val, attendez.
n'a prêté côté débat là côté Fritz William Michel il est là il y a deux bagages qui ka fait le premier ministre encore deux bagages yo font vote dans sénat yo dit yo rejeté m'bal dans installation on peut arriver là yo font vote dans sénat yo dit yo rejeté le consensus politique mais on parler des premier ministre non tal mais valait m'a parler monde qui en cours mais faut l'opérationnel non m'pas parler de opérationnel pas ça m'parler de monde qui ont processus qui en cours pour venir premier ministre et monsieur quel est le monde qui n'a pas processus pour en cours pour une premier ministre, c'est monsieur. Pour monsieur, pas dans processus là encore, nous mais deux conditions. Yo. Ouais. Et ces deux conditions, si le quoi non, pour ce pas monsieur qui en cours pour une premier ministre, si tu n'as pas l'air là, ce soit parlement, sénat, faire une séance, il a dit, il a rejeté politique générale, monsieur, hein? Monsieur est tombé, ou bien monsieur écrit une lettre, il dit président, il démissionne. Depuis, il n'a pas fait. Si votre là pas fait. Ah, processus monsieur en cours. Bon troisième qui cap pendant tout parce que même si il est vraiment pas en condition sine qua non, même parce que on a cadre yon entente politique, yon non t'as l'écoute, ou même le bon entente politique là tout, pas bio qui était cadre légal là. Mais non mais attends. Non mais non t'as l'moi même dans cadre légal. Non mais ça blé d'où mais il m'a parlé. Donc légalement pour processus monsieur a campé m'dou mais ça que vous faites. OK. Il y a d'autres considérations mais légalement ce soit sénat faut vote. Yo dit pas adopter politique et déclaration politique dans monsieur. Monsieur tombé ou bien monsieur